and gentlemen, welcome aboard Egypt Air. For your safety and comfort, please pay attention to the following safety instructions. Elle est arrivée, s'il vous plaît. La voilà, elle est là. Au Cameroun. Nous tenons à cette intégrité. T'as vu, ils ont mis les fleurs. C'est la vidéo. Mais pourquoi c'est la vidéo? Parce que ce sera dans un épisode hypothétique. Vlog. Alors, vraiment. Un jour, peut-être, je vais monter ça. En chute. Hi. Hi. How are you doing? I'm very tired. Pourquoi tu es fatiguée? Because the bar next to the hotel did the Zumba all night long. Hey, mais ton temps au Cameroun dose, hein? Mais je dose. Regarde, elle est là comme une pacha, là, quoi. Mais je dose, enfin. Au revoir. Faut m'emmener ici souvent. J'ai dit à June que ça allait te plaire. Qui congèle. Donc
Yo, tu as le cava climatisé. Aïe, aïe, aïe. La fille veut qu'on prenne la moto. Moi, j'ai peur de la moto. Je suis dans la moto. Voilà, fraîchement arrivée chez moi, la valise est encore dans l'entrée, priez qu'elle ne reste pas là pendant 2 semaines. En tout cas voilà, je vais me reposer. À chaud comme ça, je peux dire que le voyage était magnifique, magnifique, magnifique. Voilà, bisous. Mon retour à froid n'a pas beaucoup changé du retour à chaud. C'était génial, voilà, c'est ce que je voulais dire. Non, pour donner plus de détails, je suis allée au Cameroun pour le mariage d'une amie et j'ai fait beaucoup de routes. J'avais très peu de temps. Et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de scènes de route dans le vlog. Ce que j'ai vu était déjà extraordinaire. Et la vidéo ne laisse pas paraître la beauté de ce que j'ai vu rien qu'en voiture. Et il y a beaucoup de scènes que je n'ai pas mises dans la vidéo, que je n'ai pas prises en vidéo, parce que j'étais trop concentrée à les voir et à les vivre, et à vivre cette beauté-là, en fait. Et c'est un pays tellement beau, et je pense que... j'ai hâte d'y retourner, je ne sais pas, peut-être 3 mois, et visiter, et visiter, et visiter, parce que j'ai cette impression-là, ce petit goût un peu aigre-doux, que je n'ai vu que très... En fait, que je n'ai même rien vu, en fait. Un peu comme quand on va dans un bar et qu'on se met au comptoir et qu'on prend juste un verre et qu'on nous donne un petit truc de cacahuète. C'était ça mon voyage en fait. Et j'ai le sentiment que si je rentre dans un resto et que je m'assois à une table et que je commande tout ce qu'il y a sur la carte du Cameroun, on va dire, je vais pas m'en sortir en fait. Je serai submergée parce que trop de beauté. Mais voilà, le voyage était génial. La très belle rencontre de ce voyage-là, c'est la rencontre physique avec Chouchou Paco. Chouchou Paco, c'est une femme que j'ai rencontrée sur Internet, Twitter, il y a des années, franchement, je ne me rappelle pas, peut-être 2012, bref. Et c'est l'une des ambassadrices du Cameroun sur Internet. C'est elle qui nous vend le Cameroun, c'est elle qui nous donne envie de... mettre nos rangers, notre sac à dos et de partir à la découverte du pays. Et donc je l'ai rencontré en physique et c'était assez émouvant. J'ai pas montré parce que bon voilà, mais
quand on connaît une personne depuis des années sur Internet et qu'on la voit en vrai et qu'on partage des fous rires en vrai, c'est particulier. Je pense que c'est... Je peux pas décrire vraiment, mais c'était vraiment la très très belle et bonne cerise sur le gâteau. Que vous dire de plus? Ben, dans ce voyage, j'ai essentiellement dormi, essentiellement mangé quand j'étais pas sur la route pour aller pour le mariage ou aller à Yaoundé faire quelques heures avec Mimou. Je dormais ou je mangeais, voilà. Et je n'ai même pas assez mangé, je pense. Que vous dire de plus, sauf aller visiter le Cameroun. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire là, de concis. Allez visiter le Cameroun. À bientôt.